Oui, Isma, tu disais sur le... Les 10 premières minutes belges, ils sont pas évidents. Ils sont en train de se chercher. Ouais. Ah, ils tapent dans le mur russe depuis tout à l'heure, c'est pas facile. Ouais. Les Russes qui sont quand même à 20 mètres de leur but, 5 dépenses. Oh là là, Lukaku ! Oh Lukaku, c'est le but ! Oh l'ouverture de Romelu Lukaku. Romelu Lukaku qui... Il est parti au moins, le score avec la Belgique. Et ça fait donc 1-0, 1-0 pour les Diables Rouges, alors qu'on disait qu'ils se cherchaient un petit peu. Ah ben voilà. C'est vraiment opportuniste là par contre. D'ailleurs, il y avait une position de rejeu à la base. À la base, il y a rejeu, mais c'est le défenseur qui le relance. En fait, le ballon passe entre les jambes du défenseur et Lukaku qui se retourne et puis qui a juste le gardien avec une frappe croisée. Allez. Et le ballon pour Thorgan Hazard qui centre. Oh là là, super, le centre. Le but de Thomas Meunier. Thomas Meunier. Et oui, le deuxième but. Le deuxième but de la Belgique, signé Thomas Meunier. C'est quand même incroyable. Il est plus russe. Et ça fait 2-0 pour les Belges. Il touche pas le but depuis un quart d'heure qu'il est sur le terrain. La défense russe, quand même, qui réussit l'exploit de que tout le monde se jette sur le centre. Et puis que Meunier se retrouve tout seul. Ah oui, non mais. Pour ajuster ses gardiens, c'est vraiment donné quoi. Prodigieux. Moi je dis bravo, un tel niveau. Oh là là. Le numéro 6 c'est encore le même. Non mais. Mais il est parti. C'est Thierry Tchèf. C'est Thierry Tchèf qui vient de rentrer. Il est parti chercher le drapeau de camp. Ouais, là, au niveau du placement, il y a quelques petits soucis. Bah ça fait 2-0 pour la Belgique. Oh attention, Lukaku dans la surface. Lukaku. Oh le 3-0. Le 3-0 pour la Belgique. Romelu Lukaku. Et ça fait punition. Ça fait punition pour cette équipe de Russie. Et la Belgique qui vraiment valide son résultat. Avec Romelu Lukaku en profondeur. Et dans la surface, ça fait mouche. Ça ne tremble pas.